Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui, présentation du Laserman et le modèle Wave. Alors, pour le Laserman, il existe différents modèles. Suivant le modèle que vous choisissez, en fait, vous choisissez une certaine gamme d'outils. Alors, le mien, c'est le Wave et c'est l'édition noire. Parce qu'il en existe aussi des Wave, mais d'autres couleurs. Faut savoir sur ce couteau qu'il y a différents points qui sont importants. Alors, le premier point, c'est que le couteau s'ouvre avec une seule main, comme ceci, qu'elle se bloque, vous l'avez entendu. Vous voyez, là, il y a un petit clip. Voilà, vous voyez. Voilà, on entend bien. Que les lames sont en acier inoxydable 420HC, et surtout que le multi-tool est garanti 25 ans. Donc, c'est pas une garantie qui se néglige, hein. 25 ans, on a le temps de voir venir. Pour les outils, alors je vais commencer de ce côté-ci. Donc, en ouvrant, vous voyez, nous avons une lame simple. Juste en face, nous avons une lime. La lime, donc la lime à bois, et de l'autre côté, ce qu'on appelle la lime diamantée. Et vous voyez, sur le tranchant, il y a une petite lime également. Ensuite, de l'autre côté, nous avons un couteau denté qui coupe vraiment bien aussi, hein. Et juste en face, vous avez la scie. Qui coupe bien, mais il faut faire attention quand même, vous voyez. Faut pas trop forcer dessus non plus. Ensuite, à l'intérieur, nous avons la pince. La pince, je sais pas si on voit. On voit bien, vous voyez. Donc le petit cercle tout en bas, c'est un coupe-fil. Et aussi, on va s'en servir, vous voyez, grâce au petit jour, pour dénuder un fil. Juste au-dessus, les deux parties plates, c'est vraiment un coupe-fil. La partie encore au-dessus, c'est une pince, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une pince régulière. Et tout en haut, c'est une pince effilée. Et vous voyez, je vais me rapprocher, des petites dents pour bien saisir. Ensuite, sur l'extérieur, vous voyez, il y a des graduations qui vous permettent de mesurer. Et vous l'avez également de l'autre côté. Donc ensuite, à l'intérieur, nous avons une paire de ciseaux. Il faut l'ouvrir complètement pour s'en servir. Qui coupe vraiment très bien. Au milieu, vous avez un tournevis de précision avec les bouts interchangeables. Vous voyez, là, c'est du cruciforme. Il suffit juste de le tourner. Et vous avez un tournevis plat. On peut acheter aussi différents embouts, hein. Juste à côté, nous avons un grand tournevis plat. Voilà, maintenant, je vais passer de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons l'ouvre-boîte, qui est en deux parties aussi. Vous voyez la partie supérieure qui est l'ouvre-boîte et la partie en biseau comme ça qui est un coupe-fil. Donc on met le fil à l'intérieur, on tire, ça coupe net. Et juste à côté, nous avons ceci, tournevis moyen, plat, enfin cruciforme pardon, et plat de l'autre côté. Ce sont les embouts interchangeables également. Voilà, ça se fait simplement, ça se fait facilement. Donc c'est vraiment un multi-tool
très pratique, complet. Moi, je l'ai pris en Wave, enfin, je l'ai pris Wave tout simplement parce que les outils qu'il y avait à l'intérieur me plaisaient. Aussi, le produit en noir, je trouvais que ça avait plus de charme, si on peut dire. Donc voilà, c'est un très bon multi-tool. Je le recommande à tous ceux qui n'en ont pas encore. Bon, pas forcément celui-ci, hein. Chacun achète en fonction de ses besoins. Alors, pour les Lasermann, je vous mettrai le prix dessous. Moi, je vous mettrai également un lien, puisque moi, je l'ai acheté directement sur eBay en Amérique. Et du coup, je l'ai eu moitié moins cher. Hein, parce que c'est le Lasermann, je l'avais trouvé sur Internet à pas loin de 120€. Le mien, frais de port inclus, je l'ai acheté pour moins de 60€. Donc, à vous de voir si le prix que vous voulez mettre. Si vous voulez pas acheter à l'étranger, bah, achetez en France. Mais le prix, ouais, c'est pas loin, c'est plus d'une centaine d'euros suivant les modèles. Donc voilà, je vais vous mettre quelques liens dessous. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur le Lasermann ou sur d'autres multitools. Voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.